la présence li encore soya, lieu rendez-vous ça que nous chéris et nous-mêmes qui toujours prend li à cœur pour nous brancher, nous bénissons le Seigneur pour vous. Nous comptons bien-aimés encore une fois nous car retrouver nous ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. C'est une grâce inestimable. Si l'on pas capable participer dans rencontre ça yo ou réaliser des fois combien yo important pour nous. Et tant que le Seigneur fait nos grâces, nous pas peut négliger chéri moment ça yo. Moi salue toutes amies qui branchaient de près ou de loin, j'en moins rien fait ça. Si ou t'es avec nous ou font déplacer ou dans l'esprit nous, peut-être gain la bien-aimé nous qui en vacances avec famille yo. Nous pensons spécial pour yo à soya. Nous comptons bien aimer pour nous retrouver nous dans la parole du Seigneur. M'a invité ou ouvrir Bible avec moi dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Nous prenons le verset 1 à 5 et c'est là n'a joindre méditation parole bon Dieu à soya. Deutéronome 8 verset 1 à 5. M'appeler pour vous dans version le second, suivez avec moi pendant ma fait lecture ça. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas avant et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. Parole du Seigneur, et le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimés, gloire à Dieu, nous comptons encore une fois pour nous méditer paroles avec vous, soya. Dépendre de bon Dieu. Dépendre de bon Dieu. Ou bien, si m'de ka di li yon l'autre jan, apprendre, dépendre de bon Dieu. Apprentissage ça, bien aimé, c'est pas yon apprentissage qui facile. Et à soi nous praloué à travers histoire peuple ça, qu'on connaît très bien le peuple d'Israël. Apprendre, dépendre de bon Dieu, c'est un bagaille qui méritait vraiment pour nous mettre nous à cela pour nous arriver là-dedans. Apprendre de dépendre de bon Dieu, li pas varier avec circonstances. Le monde dépend de bon Dieu complètement, gain en pile bénéfice là-dedans. Pour qu'on ait bien aimé, gain en pile enseignement nous capable tirer de l'histoire du peuple d'Israël. Des fois, moi-même personnellement, le m'appli histoire peuple ça, on me demande tête moins, est-ce que en fait bon Dieu pas choisi peuple qui pi rebelle qui t'a ka gagné sous terre pour te conduit œuvre rédemption pour l'humanité. C'est vrai bien-aimé, gagne quelque histoire l'a plié sous Israël. Ou gagne tendance dit tout mais c'est pas possible. Comment yon peuple ka fait courir comme ça? Des fois qu'on envie mandé tout. Comment bon Dieu parmi tout peuple qui gagné, comment fait ces peuples ça li choisi peuple ça ou même ou gain impression qui ces peuples qui pi rebelle qui jamais existé? En réalité ou dit mais comment bon Dieu fin délivrer yon peuple à travers toute merveille ça yo le fait? On peut li montrer démonstration puissance li fait ouais merveille li et puis pour peuple ça li tombé dans même circonstancio, tombé levé, viré do bay bon Dieu, péché contre l'Éternel et le fin péché pour le crier, mandé pardon, crier mandé miséricorde. Et puis bon Dieu pardonné ou ta pensé li t'apprend leçon, li retourné pour de plus belle dans saleté.
Et c'est toute histoire peuple Israël. Des fois, l'on appelle histoire peuple ça, ou qu'on a envie de dire, si c'était moi-même, nous t'a fait bon Dieu plus confiance. L'homme fin ouais tout ça bon Dieu fait. L'homme fin ouais Jean bon Dieu t'a fait me sortir dans pays l'Égypte. L'homme fin ouais les displays d'Égypte comment ils étaient manifestés sur les fils des Égyptiens. Nous t'a fait bon Dieu plus confiance. L'homme fin gardé pour moi Jean colonne du feu bon Dieu t'est marché pour le conduire. L'ennui colonne dans tes devant la journée moi gagne l'ombrage sous tête moi pour soleil pas épuisé. Certainement t'as fait bon Dieu confiance. Pendant on a fait toute réflexion ça yo, ou a dit si c'était ou même ou t'as fait bon Dieu confiance. Ou senti bon ti voix k'ap dou, c'est vrai ou t'as fait bon Dieu confiance? Est-ce qu'au sûr quelque part ou pas plus mal que Israël? Est-ce qu'au sûr jodi en même pendant on a dit ou t'as fait pi bon? Est-ce que jodi en même ou pas gen ti problème ou même tout pour dépendre de bon Dieu? Bien-aimé, c'est vrai. Israël t'est courait. Mais tout Jean Israël t'est courait de l'an, tout rebelle t'est rebelle là. M'en vie presque dit nous-mêmes nous gen tendance comporter nous des fois même Jean ak Israël, sinon pi mal que Israël. Bon Dieu t'est relé peuple ça pour li vini lumière des nations. Bon Dieu t'est relé Israël pour te mettre yo à pas pour li, c'est vrai. Le monde l'autre nation yo gardé peuple hébreu yo t'est doué ouais image bon Dieu. Cependant à maintes reprises Israël terni image bon Dieu dans yeux l'autre peuple yo. Mais question t'a remé ou méditer sous li soya, est-ce que moi-même avec vous l'église de Jésus-Christ, l'église universelle, nous chaque qui souligne individuellement, est-ce que honnêtement, si nous faisons comparaison avec vous, nous avons dit certainement, nous avons dit j'en puis dépendre de bon Dieu, que Israël te dépendre de bon Dieu. Est-ce que même histoire Israël, ce n'est pas lui qui a continué dans la vie par nous, en d'autres circonstances, en d'autres temps, en d'autres lieux? Est-ce que tout courait Israël te courait là? Est-ce que nous avons vraiment certitude, nous qu'a dit nous-mêmes, nous puis obéissant à bon Dieu, passé Israël? Nous songez, peuple ça, il tellement fait courait avec bon Dieu. À plusieurs reprises, le m'appelé la parole de Dieu. Bon Dieu dit Israël, je vais le contester avec vous, venez me parler Israël. Le m'appelé par exemple dans Jérémie chapitre 2, verset 12. Bon Dieu dit Israël, à travers la bouche du prophète Jérémie, cieux, soyez étonnés de cela. C'est bon Dieu qui a parlé, l'a interpellé Israël, l'a contesté avec Israël. Et mais ça, l'Éternel Dieu dit, Jérémie 2, verset 12, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. En d'autres termes, dans bon Jean créole, l'Éternel Dieu a dit, c'est pour ciel la pantant, l'elle tendait ça. C'est pour le trembler, c'est pour le rester saisi, c'est moi-même, Seigneur, même qu'à parler. Pour qui ça? Parce que peuple moyen, il fait deux qualités péchées. Premier péché yo fait yo viré d'oban moi-même sous glofréa. Et deuxièmement, non seulement yo viré d'oban moins, il a le creusé yon puits, il a le fouillé yon réservoir pour de l'eau. On vieux puits tout fond qui pas même ka kembe de l'eau. C'est l'Éternel qui a parlé, qui a fait procès à Israël. Qui a dit non seulement peuple en viré d'oban moi-même qui sous glofréa, il a le fouillé on vieux puits. Puis en tout fond, il n'y a pas même qu'à qu'aimer de l'eau. Bien et même pas qu'on sous réaliser qui qualité reproche ça y est. Qui est-ce dans nous là qui t'a quitté un bon gens sous de l'eau frais qui a coulé pour nous t'a refusé boire de l'eau sous là pour nous t'a le fond puits et puis pour nous t'a mettre dans tête nous de l'eau puits nous fouiller hein. Li pi bon que de l'eau sous qui a coulé hein.
l'eau puis nous fouiller, puis on pas même qu'à conserver de l'eau. Certainement de l'eau a tout été à reste malade bouillot qui en bali. Et puis pour nous ta mettre dans tête nous de l'eau puis ça li pi bon que source de l'eau qui a sorti tout frais en bataillon. Eh bien dans le langage de l'Éternel des armées, c'est ça la petite Israël. Yo viré d'eau ban moi-même qui source de l'eau fria. Y a le fou fouillé yon vieux puits. Yon vieux puits qui pas même qu'à kembe de l'eau. Le m'gade texte là on ti Jean Piro dans Jérémie chapitre 2 verset 9 et 11. Bon Dieu continue faire procès à Israël. Bon Dieu dit c'est comme ça moi-même Seigneur a moi pral plaider avec nous encore. C'est moi-même même Seigneur qui dit ça. Moi pral plaider avec petit nous yo. Allez bon côté soleil levé. Allez bon côté soleil couché, rivé jouk zile chi. Voyez moun nan pays Keda, bon côté soleil levé. Na wè sa kap passe ici là, li pa jam rive l'autre côté avant ça. L'autre nation yo pa jam changer bon Dieu yo, malgré c'est pas bon Dieu tout bon yo teye. Mais peuple moyen te pito zidol, ki pa ka fè anyen pou yo, passe moi même bon Dieu qui te fait belle bagay pou yo wa. L'Éternel continue à plaider à Israël. Peuple courait de l'an, peuple rebelle l'an. L'abdi Israël, nous met voye moun al fè enquête autour de nous. Yon paquet nation qui ont entouré nous. Voye yo loin al gade. Voye yo al gade pou yo wè si sa ka fèt la en Israël la, est-ce que jom fèt yon l'autre côté? Voye yo al gade pou yo wè, est-ce que jom gen yon peuple qui abandonne bon Dieu pa yo pou yal servi l'autre bon Dieu? Quand bien même, c'est pas bon Dieu, le vrai Dieu y a servi, mais y aurait été accroché, attaché à bon Dieu yo. C'est seul ou même oui Israël qui a fait ça ou a fait non. C'est seul ou même qui quitte pour aller prendre idole. Bon Dieu a reproché Israël, Jean li courait. Il y a un pile exemple en réalité bien aimé de rébellion Israël contre bon Dieu. L'on titan la caillou. Wa li Deutéronome au chapitre 2, li tout chapitre là. M pa bdou l'histoire là, mais wa jwenn yon bel exemple comment Israël a rebellé contre bon Dieu. Koun ya question ou ta dwe poser tête ou, quel était le plus gros problème de la maison de Jacob? Ki pi gros problème peuple bon Dieu an te gagné? Eh bien, j'en te dou li déjà pi gros problème Israël, c'est que yo pa capable dépendre de bon Dieu. Yo pas capable dépendre de bon Dieu. C'est comme ça le nous lit dans Deutéronome chapitre 8 verset 1 à 5 au verset 2 l'Éternel a dit à travers bouche Moïse: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Bon Dieu a dit Israël, songez qui qualité route moi fait avec nous. Songez comment m'te conduit nous pendant 40 années dans le désert. Même m'te mené nous dans le désert là, nous t'es tellement courait. M'te besoin apprendre nous une leçon dans le désert là. Ça que fait m'te conduit nous dans le désert, c'est pour m'te ka fait nous descendre pour m'te humilier nous. Alors, l'on obtient des textes, ou pas bien comprendre ça, l'abdi, ou penser, humilier Israël, ça veut dire. Eh bien, Israël tellement t'es gagné gros colette. Israël tellement t'es remis compter sur force courage, lui. Bon Dieu t'es obligé de traverser avec dans le désert pour le descendre Israël. Pour l'apprendre Israël, ça veut dire pour apprendre compter sur l'Éternel. Texte l'on dit moins, bien aimé, au verset 2. Afin de t'humilier. Moi font des tours avec ou dans le désert. Deuxième raison qui fait l'Éternel conduit Israël dans le désert, c'est pour te ka éprouver Israël. Éprouver, c'est-à-dire pour le connaître qui côté que Israël y est véritablement. Est-ce que Israël, c'est pas seulement mais l'Éternel li te besoin pour sortir en Égypte. Li pas vraiment intéressé à l'Éternel, li te seulement intéressé à délivrance. L'Éternel a dit il faut passer Israël au milieu du désert pour me te ka wè ki disposition cœur pour me te ka éprouver pour me te connaître est-ce qu'on camper solide sous moi vrai
Est-ce que c'est moi qui intéresse au tout bon vrai? Ou bien Israël, est-ce que son tirou libou vin prend? Ou t'es besoin moun qui pour conduire en dehors de l'Égypte? Comme moi-même, moi son bras puissant. Comme moi-même, moi son droite étendue. Ou prend ou libou sous force moi, m'ont pas intéressé à vem vrai? Pour m'te connaître sous intéressé à vem Israël, m'te obligé conduire dans le désert. Premièrement, pour me rabaisser ou pour m'apprendre à compter sous moi-même. Deuxièmement, pour moi qui côté cœur ou yé. Bien-aimé, le moi-même avec autant de paroles ça aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on pas l'impression l'Éternel qui a fait nous même pour c'est à tout? Est-ce qu'on pas l'impression l'Éternel Dieu qui a dit bon côté m'a menon là, c'est garder m'a garder côté au camp vrai? Est-ce qu'on ou mine business leur dit m'a servi l'Éternel? Est-ce que c'est vrai ou intéressé à l'Éternel? Ou bien est-ce que c'est tout simplement un kishoy ou ap chache? Est-ce que c'est un kishoy ou ap chache? Détour, Israël te fait dans le désert, non? Il te gagne un but. Il te gagne un but précis. Mais on va quand même battre un mot raté dans le texte, là. Israël passait 40 ans dans le désert. Cependant, Israël t'est passé 400 l'année dans l'esclavage en Égypte. Yon côté le passé 40 ans en bas main bon Dieu. Yon l'autre côté le passé 400 l'année dans l'esclavage en bas main yon ennemi kap tout pisil. C'est vrai, bon Dieu a éprouvé Israël dans le désert pendant 40 années sa yo. Mais bien aimé, 40 années en bas main bon Dieu, li beaucoup pi bon. Li de loin puis agréable que 400 l'année en esclavage. 40 l'année côté bon Dieu a corrigé ou 40 l'année côté bon Dieu a sondé cœur. Li pi bon que 400 l'année côté y a tout pisi. Mais malgré ça, Israël préférait 400 l'année tout pisiant que 40 l'année pour bon Dieu a cherché que là. Israël, dans le désert, lui mandait plutôt me tourner en Égypte, plutôt pas de jambes sortir en Égypte. Israël préférait pour le territoire en bas mes pharaons, au lieu d'y accepter correction dans mes bons dieux. T'as vraiment comprendre ça très bien. Même le bon Dieu a éprouvé yon moun. Même le bon Dieu a descendu yon moun, lui toujours pi bon. Que si c'est ennemi qui a humilié ou même le bon Dieu bien-aimé a travaillé ou l'a formaté ou même genre regardez poa li nan men potier l'a formaté plutôt c'est bon Dieu qui formato parce que le la formato là la bon gens forme l'a restauré ou l'a fort vignon pour valable l'a fort vignon pour qui capoter de l'eau frais. Au lieu c'est ennemi qui a humilié parce que l'ennemi a humilié, il humilié pour le détruire. Israël t'a préféré 400 l'année dans l'esclavage. Au lieu, il t'a embrassé 40 l'année de formatage. Non mais bon Dieu a plaidé avec Israël. Au verset 3, dans Deutéronome chapitre 8, le nous lit, texte en dit, il t'a humilié, c'est l'Éternel qui a parlé. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, à travers la bouche de Moïse. Bon Dieu a expliqué Israël, oui, moi t'es au fait de ça. C'est moi-même qui t'ai conduit dans souffrance ça yo. Parce que m'étais besoin de trop. C'est moi ou besoin apprendre compter sous moi, ou besoin apprendre dépendre de moi. Moi fort souffrir grand goût dans désert et par la suite moi bon la manne pour manger. Yon façon pour connaître ça qui est important c'est pas la manne non, c'est moun qui baille la manne non. Israël ils vont côté, ils tellement focalisés sous manger a, ils oublient qui est-ce qui baille manger a. Bien-aimé, est-ce que moi-même avec vous, nous pas qu'à projeter tête nous dans situation Israël là? Est-ce que reproche ça yo, bon Dieu pas t'a fait nous yo aujourd'hui a? Est-ce que des fois moi-même avec vous bien-aimé, nous pas gain tendance focaliser nous
sous manger nous ka jwenn nan men bon Dieu a au lieu nous focaliser sous bon Dieu lui-même. Parce que c'est exactement ça Israël t'a fait. Israël t'a focalisé sous manger a mais oublié qui est-ce qui met manger a. Il oublié qui est-ce qui baille manger a au point que l'Éternel Dieu obligé faire yo souffrir grand goût jusqu'à ce que le baille la manne pour le montrer yo si nous gagnons, nous gagnons toute bagaille. Si nous gagnons moi-même qui met manger, nous gagnons toute bagaille. Israël, comment fait perdre du temps tout dans chercher manger? Oubliez moun qui baille manger. Comment moi-même avec ou bien aimé, nous avons perdu du temps nous? Perdu du temps nous chercher bénédiction alors que nous oubliez moun qui baille bénédiction. N'a cherché délivrance, des fois n'oublier moun ki auteur délivrance là. Nous pas chercher bon Dieu pour bon Dieu, nous chercher bon Dieu pour sal kabanou. C'était problème Israël. Au point que l'Éternel Dieu a dit, m'fais toute bagaille ça au même qui toi les grands goûts dans désert même, yon façon pour connait que l'homme ne vit pas seulement de pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Israël ou besoin apprendre compter sous bon Dieu. Problème ou c'est pas un problème pain ou un problème de dépendance. Ou un problème de dépendance Israël. Ou pensez c'est pain ou besoin. Mais problème ou c'est qu'on pas apprendre compter sous monde qui créait pain. Hein? Bon Dieu continue pour le parler à peuple. Hein? Verset 4 il dit: est-ce que l'on est dans le désert, Israël? Israël, est-ce que l'on est dans le désert, hein? Rad qui t'es sous tes jambes usées? Est-ce que l'on t'a marché dans le désert, am tes jambes qui t'es plus haut enflées? Pendant 40 années, ça y est, dis-moi, combien de fois, ou t'es levant bon matin, ou t'es dit matin, je ne peux pas marcher encore, je suis obligé de mettre tes pieds en l'air, tellement pieds enflés? Est-ce que tes jambes qui t'es arrivées? Est-ce qu'on comprend Israël, c'est moins au besoin? Est-ce qu'on comprend que c'est moins au besoin? Et moi, mes versets 5 qui dit: reconnais donc en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Bon Dieu a plaidé à peuple à bien-aimé. Bon Dieu a plaidé à peuple là. Bon Dieu a dit peuple là, regardez tout ça me fait. Pendant m'a fait ça, m'a châtie, là m'a prend soin. Pendant m'a quitté grand goût frappo. Moi bois là maintenant de telle sorte que pour qu'on ait, c'est sous moins pour compter, c'est de moins pour dépendre complètement. Israël, mais ça me t'a rien fait. Me t'a rien reconnaître dans cœur que c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a châtié, même j'ai un papa a châtié petite li. Comment yon papa châtié petite li? Yon papa châtié petite li pour le formater, pour le mettre sous bonne voie. Yon papa châtié petit li pas pour le détruire, mais pour le bal, yon avenir sûr. Mais question gagne pour Asoya. Est-ce que moi-même avec aujourd'hui, l'église, qui censée dans deuxième moment œuvre salvatrice, là, dans deuxième moment œuvre de rédemption, en premier moment, c'était moment Israël, là. Deuxième moment, c'est moment l'église. L'église qui censée vivre jouer, Wall Israël pas bien joué. Israël t'est doué lumière des nations, li pas bien joué Wall là. Dans même plan de rédemption, bon Dieu dit, nous pral rentrer dans phase numéro 2. Dans phase numéro 2, Jésus-Christ vini. Li fait à travers Jésus, l'église vin établie. Qu'on y a question qui t'est gagné pour Israël là, li valable pour l'église, li valable pour moi-même avec aujourd'hui. Hein? Est-ce que moi-même avec vous? Est-ce que nous dépendons de bon Dieu? Est-ce que si nous faisons comparaison avec Israël, est-ce que véritablement, moins qu'a dit ou qu'a dit, nous dépendons de bon Dieu? Ou dit pasteur, mais comment dépendre de bon Dieu? Hein? Lis simple, oui, dépendre de bon Dieu. Hein? Dans le même texte de Deutéronome, non, que Israël t'a gagné, nous qu'a utilisé le même texte ça pour nous comprendre ça, ça veut dire dépendre de bon Dieu. Deutéronome 8, verset 1er, mais ça lui dit: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits, afin que vous viviez,
que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Dépendez de bon Dieu en livre les dit donc, pratiquez, observez tout commandement que l'Éternel, bon Dieu, bat nous. Pour qui ça? Qui résultat qui gagne le nous suivre commandement yo? Le ça nous vive. Texte en dit, afin que vous viviez. Ça veut dire, sous son monde cap vivre, qui pas observer les commandements de l'Éternel, c'est pas vivre ou à vivre, ou peut-être à vivoter, mon pape vivre. Afin qu'on vive, afin qu'on multiplie. Multiplier vle di, afin que l'on moun gado bien-aimé, yo wè la gloire de Dieu, yo wè l'identité de Christ nan moi-même avec ou, l'on moun gade nou, yo comprendre que véritablement moun sa yo différent ou multiplier pour le royaume de Dieu. L'on était dans le commandement, les commandements de Dieu. Vie li son source de bénédiction pour moun ki autour de ou, parce que à travers ou même yo pral gen envie pour yo gagner même son gagnant vie ou vignon témoignage. Donc premier bagaille, l'on dépend de bon Dieu ou vive. Deuxième bagaille, ou multiplier dans royaume bon Dieu. Multiplier en vle dit encore une fois m pa ta remé nous rater point ça. Ou c'est yon pied bois qui pourtant pile fruit dans le royaume. Ou pourtant pile fruit dans le royaume. Et puis dernier point, l'on dépend de bon Dieu, ou capable d'entrer en possession du pays. Si dans le cas Israël là, entrer en possession du pays, te vle dit, entrer en possession de Canaan, pour nous, ce n'est pas Canaan terrestre là, c'est Canaan céleste là. C'est côté ça, bon Dieu, prêt à le préparer pour nous. Hein. Nous pas qu'à rentrer là-dedans si nous pas dépendre de Christ. Est-ce que nous dépendons de Christ? Bien-aimés, dépendre de bon Dieu, vle dit observer commandement bon Dieu yo. Est-ce que moi-même avec vous, encore une fois, nous qu'a dit, nous dépendre de Christ, nous vraiment fait beaucoup plus de progrès que Israël. Le bon Dieu dit nous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Est-ce que véritablement nous qu'a dit, nous dépendre de bon Dieu parce que nous appliquons ça? Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que nous qu'a dit nous dépendre de bon Dieu? La parole de Dieu dit nous, pas inquiétez-nous pour la vie nous, pour ça n'a pas mangé, pas inquiétez-nous pour ça nous pas le mettre sous corps nous. Regardez roi Salomon, même roi Salomon, il pas de jambes bien habillé que les oiseaux dans le ciel là. Pas inquiétez-nous pour bagaille n'a pas mettre sous corps nous. Est-ce que nous dépendons de bon Dieu pour nous faire confiance? Le dit nous ça. Est-ce que dans ce sens-là, bien-aimé, moi-même avec vous, nous fait plus de progrès que Israël? Lorsque Dieu nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, est-ce que moi-même avec vous, nous véritablement faisons confiance? Est-ce que le gain bagaille qui présentait devant nous, nous pas comprendre, nous pas qu'à expliquer, nous dit, de toute façon, moi fais bon Dieu confiance? Je ne vais pas regarder l'autre côté, je ne vais pas voir, je ne vais pas aller, je n'ai pas besoin qu'on ait. Je me fixe sur l'Éternel des armées. Moi, fais confiance. Est-ce que dans le cas de moi-même, avec ou bien-aimé, nous faisons plus progrès passer Israël? Est-ce que nous marchons effectivement par la foi et non par la vue? Est-ce que moi-même, avec aujourd'hui, en nous cas dit, c'est vrai, nous ne devons pas ouais devant nous? Nous pas ouais projet d'avenir, il est vrai. Mais bon Dieu pas mandé nous pour nous ouais, bon Dieu mandé nous pour nous faire confiance. Est-ce que dans ce sens ça tout nous qu'a dit nous fait plus de progrès que Israël? Est-ce que finalement l'église pas picou raide que Israël? Il y a le bagage bon Dieu fait dans vie moi-même avec ou bien-aimé. Il y a le bagage qui passe dans vie nous, il y a de côté bon Dieu sorti avec nous. Est-ce que nous gain raison pour ne pas paniquer comme ça le mon petit bagage rivé nous qu'on y a? Qui ça qui fait nous penser? Le Seigneur fin fait toute route ça avec nous. Oh là, il prend nous loin, grand pile dans nous, bon Dieu prend vraiment loin. Et en réalité, nous toutes qui soulignons, bon Dieu prend nous loin. Parce que là, nous pote qu'on est bon Dieu, bien aimé, nous t'étant coup, yon poule, yon brebis qui sans gador, sans berger. Nous t'es à la merci de l'ennemi.
Bon Dieu vient faire nous rentrer dans le pâturage là. Il fait nous rentrer dans le pâturage là. Et qui ça qui fait nous croire après toute route li fin fait avec nous? Après Jean li al prend nous loin mener nous près. Qui ça qui fait nous penser c'est qu'on y a abandonné nous? Qui ça qui fait nous penser pendant notre situation ça là, bon Dieu est oublié nous? Hein, ou vle di, li ta fin fait tout ça, li fin fait allant et puis c'est là il ta vin abandonner nous bien-aimé. Est-ce que moi-même avec on n'a pas prendre dépendre de bon Dieu? Est-ce que nous certainement croyons que tout ça qui arrive dans vie nous, tout ça qui arrive dans vie nous, il arrive dans vie nous parce que bon Dieu qui t'est arrivé et pas si bon Dieu qui t'est arrivé quelque part là pas agi pour bien nous? Est-ce que même dans le désert, nous fait bon Dieu confiance? Ou bien est-ce que nous préférons 400 années l'Égypte là, à 40 années dans le désert avec bon Dieu? Bien aimé, est-ce que nous préférons 400 années l'Égypte là, à 40 années dans le désert avec Dieu pendant la formaté nous? Est-ce que c'est vrai, nous qu'a dit certainement, nous puis bon passé Israël? Est-ce que c'est vrai certainement nous qu'a dit quant à nous-mêmes nous dépendons de bon Dieu? Nous devons interpeller à soya. Nous devons amener à réfléchir à soya. Pendant ma courage au bien-aimé, dépendre de bon Dieu n'est pas de jambes un bagage facile. Nous pas là pour nous dire facile. Cependant, là pour nous dire dépendre de bon Dieu, c'est la voie. C'est la voie vers la vie. C'est la voie vers la multiplication. C'est la voie vers le salut. Dépendre de Dieu. Sous pot ko dépendre de bon Dieu net. Sous te gonti bagay nan ou ap kembe toujours pense ou gen possession ou ka fè ou même. Moi vin invite la go nan men bon Dieu. La go nan men bon Dieu. Dépendre complètement de bon Dieu. So pa wè a bon Dieu wè, so pa comprendre nan bon Dieu comprendre ni. Ou pas ouais demain ou pas contre demain, bon Dieu kembe demain dans deux plats mais fait bon Dieu confiance. Moi qui sou cœur m'a fait prière ça pour yon moun. L'ouvri cœur. Dis Seigneur, m'tande serviteur a. Moi vle dépendre complètement de vous. Moi vle vivre selon précepte pour yon, m'pa vle vivre dans anxiété. Moi vle dépendre complètement de vous. Si Israël t'est échoué, moi-même corps de Christ, moi vle faire effort pour côté Israël t'est tombé, on pas tombé. Seigneur, aidez. M'a fait prière ça. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons laguer nous dans la mer. Nous voulons, Seigneur, du coup, c'est Seigneur la vie. Nous ne pouvons pas promener en qu'un regard inquiet. Trop longtemps, Seigneur, nous avons beaucoup de mal pour ne pas contrôler la vie. Nous pensant que c'est nous-mêmes qui connaissons, qui pivons en direction, nous qu'apprend. Assoyez, Seigneur Dieu, ou apprends-nous pour apprendre dépendre de vous complètement. Des fois, il y a de désert ou pas ça avec nous, il y a de côté, il y a de route où fait nous faire. C'est pour qu'à descendre nous, pour humilier nous, pour apprendre nous, pour ne pas compter sur propre tête, pas nous-mêmes, pour nous compter sur vous. Nous apprendre, Seigneur Dieu, pour nous dépendre de vous. Aidez-nous, Seigneur Dieu, marcher chaque jour dans une complète dépendance. Retirer tout reste résidu de nous-mêmes, dans nous-mêmes. Nous voulons mourir à nous-mêmes, Seigneur, complètement, pour nous vivre pour vous totalement. Ces prières nous assurent dans des cris cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis.